Bon, les enfants, on vous laisse avec papa, on va au tribunal pour le procès du cambrioleur. Ok. Donc, on va juste énumérer les règles. Vous faites attention à vous et vous ouvrez à... Personne. Vous répondez à... Toi ou papa. Max. Bah oui, toi ou papa. Ensuite, vous allumez pas le four, vous ouvrez pas le frigo, vous allumez pas la plaque électrique, vous allumez pas le lave-vaisselle, vous allumez pas la machine à café. Maman, on n'est pas stupide, hein, tu sais, on n'a pas 2 ans. Chérie, c'est vrai que t'en fais un peu trop quand même, les enfants vont avoir 13 ans, ils peuvent très bien s'en sortir tout seuls. Oui, mais tu sais, on sait jamais, un accident ça peut très vite arriver, alors je préfère le dire. Et vous faites pas bouillir de l'eau, vous faites pas des expériences bizarres, ok? Oui, maman. Bon, allez, nous on y va. À tout à l'heure les enfants, et faites très attention. À tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on est tout seul, on fait quoi, Max? Ben, on a qu'à lire, au moins on sera sûr de pas se blesser. T'es sérieux, là? Bien sûr que non, on va faire de l'escalade! Ça va se terminer en meuble cassé, ça, en mensonge et en perte de confiance. Tu connais très bien l'histoire, Max. Mais cette fois, on va pas aller sur la commode. On monte sur rien du tout, Max. Oh, t'es pas marrant! Moi, j'ai envie de faire de l'escalade, alors je vais en faire. Et puis, c'est mon problème si je me blesse. Pff, imbécile. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Ouais, tu verras quand tu viendras pleurer après. Je fais ce que je veux. Et toi, t'as qu'à aller jouer dans ta chambre comme un enfant, parce que moi, je fais de l'escalade comme les grands. Ouais, je vais aller dans ma chambre. Moi, je serai pas en première loge pour voir ton bras cassé. Bon, si je faisais un peu d'xylophone, faut que je m'entraîne pour les répétitions du concert. Ok. 3, 2, 1. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait cet imbécile? Qu'est-ce qu'il y a, Max? Lola, j'ai mal, allez, viens! Pfff, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! Où est-ce que t'es, Max? Pfff, où est-ce qu'il est cet imbécile? Lola, je suis là! Qu'est-ce que tu t'es fait, Max? Comment t'as fait ça? Ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller? Je crois que mon bras il est vraiment cassé comme tu m'as dit. J'aurais dû t'écouter, je suis stupide! Faut pas que je panique, faut que j'appelle les pompiers. Les pompiers, on appelle les pompiers. Allez, c'est bon, t'inquiète pas, Max, je vais appeler les pompiers. Ok, Max, c'est bon, t'inquiète pas. Surtout, bouge pas et tu restes avec moi, ok? J'appelle les pompiers. Faut appeler papa et maman. Oui, mais papa et maman, ils vont rien faire là, ils peuvent rien faire. Ils vont faire peur, ils vont appeler les pompiers, ça va juste nous faire prendre encore plus de temps. Donc arrête de bouger et j'appelle les pompiers. C'est bon, t'inquiète pas, ils arrivent. Bonjour. Bonjour petite, alors où est-ce que ça se passe? Et bon, mes collègues vont s'occuper de toi. C'est tout droit là-bas. Alors, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? En fait, je sais pas trop, mais moi j'étais dans ma chambre et mon frère il était dans sa chambre là. Et à un moment, j'étais en train de faire du xylophone et je l'ai entendu crier. Et quand je suis arrivée, il avait le bras sous la commode et je pense qu'elle a dû tomber. Mais il m'a dit qu'il allait faire de l'escalade et il a dû l'escalader, je pense, mais je sais pas. Ok, ne t'inquiète pas, tu as très bien réagi. C'est très bien de nous avoir contactés. Est-ce que tes parents sont au courant? Non, j'ai pas fait encore les appeler. Bon, on va s'en charger, allez. Alors, est-ce qu'il y a le numéro de tes parents déjà? Oui, c'est le 3e normalement. Il y a ma mère. Ok, bon, je vais l'appeler. Ok, c'est bon. Alors, ils m'ont dit qu'ils étaient au tribunal. Tu peux m'expliquer un petit peu ou... C'est confidentiel. Non, en fait, on s'était fait cambrioler et ils étaient partis au procès. Mais le tribunal, il est un peu loin, donc c'est pour ça que je les ai pas appelés directement eux. Oui, bah, tu as très bien fait. Ils m'ont dit qu'ils seraient là d'ici une demi-heure, donc je pense que ton frère, on va l'amener à l'hôpital parce que... C'est un bras cassé. Oh là là. Donc, un de tes parents va nous rejoindre à l'hôpital et l'autre va rester ici. Tu as une petite sœur aussi? Oui, comment vous savez? Ton frère me l'a dit. Oui, du coup, il a un bras cassé, la commode est tombée sur son bras. Bon, bref, on va pas trop t'expliquer à toi, on parlera plus à tes parents. Et du coup, tu as vraiment très bien fait de nous appeler directement. Je te félicite. Bon, nous, on va l'emmener, puis on va faire une radio, et puis on verra ça plus près. Et tes parents te diront, ils te tiendront au courant, et tu pourras vite le revoir. Oui, si rien n'est grave, tu pourras le revoir dans l'après-midi. On est rentré. Alors papa t'a expliqué? Oui Lola, ne t'inquiète pas, on sait, Max est à l'hôpital, il a juste un bras cassé, on va lui mettre un plâtre et on reviendra cet après-midi, ne t'inquiète pas. Bon, je voulais te le dire aussi, mais papa aussi voulait te le dire, mais vu qu'il est pas là, on te félicite vraiment pour ce que tu as fait. Tu as très bien fait d'appeler directement l'ambulance et pas nous, parce que le temps qu'on arrive, ça aurait pu s'empirer, ça aurait pu être plus grave. Enfin bref, voilà, je voulais vraiment te féliciter, on en a parlé avec ton père et on va t'offrir une petite surprise. Trop cool, c'est quoi? Une surprise, on te le dit pas, tu verras bien. Génial, merci.